Peggy 18. Merci, Sam. Tu as sauvé la ville relais du Sud et rapproché encore les habitants de ce pays. Tu es à mi-chemin de nous rendre notre intégrité. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. Sam, on vient de perdre la connexion avec Amélie. On faisait passer ses appels par l'ancien système. Il doit y avoir un souci sur les lignes. Je vais m'en occuper. Espérons que ce n'est rien de plus grave. Sam, je détecte un pic qui râle. Tout près de votre position. Les stats sont hors normes. Ça pourrait expliquer l'interruption de service brutale. Quelle qu'en soit la cause, elle pourrait faire courir un risque au vide relais. Allez enquêter sur le terrain. Thank you.
espèce d'enfoiré. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Que je suis. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Dès que vous avez quitté le centre de distribution, la tempête s'est arrêtée, d'un coup. Et la densité chirale est retombée aussi vite. J'ai été pris dans la tempête et j'étais sur un champ de bataille. Ça vous arrive de rêver éveillé? On a été coupé que pendant une seconde. Non, non, c'était beaucoup plus long que ça. Il y avait ce soldat qui a essayé de me prendre mon bébé. Si vous le dites. Le bébé était là, demandez-lui. Sam, il s'est écoulé moins d'une minute depuis notre dernière conversation. Non, c'est pas possible, j'y suis resté pendant des heures, j'ai l'impression. Je crois que vous avez besoin de repos. Laissez tomber, j'arrive. Dommage que je ne puisse pas vous rejoindre à mi-chemin. Oui, je sais, c'est votre fille. Soyez prudent, Sam. J'ai hâte de vous voir. Ça fait un sacré bout de temps que j'ai pas eu de compagnie. Sam, rejoignez le labo de Mama. Mama faisait partie de l'équipe qui a eu l'idée de développer le Cupidon. Mais dès le début, je me souviens qu'elle avait eu des doutes quant à sa viabilité sur le long terme. Elle sentait que le Cupidon avait d'importants défauts.
Ce qui d'ailleurs pourrait expliquer l'étrange phénomène que vous avez vécu, ainsi que le pic de densité chirale. Vous devriez lui rendre visite, pour voir ce qu'elle en dit.